Je m'appelle Anne-Laure Campion, je suis kiné à Bonneville. J'ai créé en 2016 mon cabinet qui s'appelle Espace Kiné Santé et j'ai vraiment voulu mettre la rééducation fonctionnelle au cœur de mes soins. Du coup, je fais beaucoup de choses en extérieur avec mes patients. J'ai toujours essayé d'aller en montagne, randonner, d'aller dans les bois, chercher des appuis, d'aller faire du vélo. Donc j'ai vraiment à cœur d'accompagner les patients jusqu'à la reprise de leurs gestes fonctionnels. Avec le SKIB, on est vraiment capable de varier la pente, de varier la vitesse, de varier les objectifs avec la projection au sol. Et ça nous permet de tout faire à la fois de manière sécurisée et en plus sans être embêté par la météo ou des choses comme ça. Pour moi, c'est important d'amener un groupe parce qu'un groupe, ça veut dire une énergie et l'énergie, elle est vraiment porteuse. Et le groupe, il est hyper hétérogène. C'est qu'il y a des gens qui ont des pathologies différentes, il y a des gens qui ont des profils différents, que ce soit d'âge, niveau sportif, intérêt, objectif personnel. Et en fait, on s'en moque. On prend tout le monde et ça devient un groupe avec une énergie et avec une entraide et une bienveillance entre eux qui est juste super sympa et enrichissante pour chacun. Et du coup, quel que soit le niveau de pathologie, l'évolution de la pathologie, on arrive toujours dans le groupe, à accueillir les gens et à les faire évoluer. Alors tout le monde ne va pas faire le même exercice avec la même intensité, avec les mêmes contraintes que je peux demander, mais on va vraiment tourner comme ça et du coup ça crée ce groupe et cette diversité de patients qui peuvent venir travailler ici. On travaille, il y a du renforcement musculaire pur et dur, hein, on est dans la pente, il y a du travail proprioceptif, travail des appuis, et il y a une grosse partie, en tout cas moi je porte beaucoup d'intérêt à ça, c'est le travail de la stabilité du bassin et du genou. Il y a aussi de la coordination neuromusculaire. Enfin, il y a vraiment plein d'axes de travail qui sont à exploiter. En créant le SKIB, nous avons complètement détourné la fonction première des tapis et des pistes infinies pour en faire un terrain de jeu incroyable en termes de rééducation, réathlétisation. Nous avons troqué les chaussures de ski pour des chaussures de sport. Le SKIB est une proposition assez bluffante en termes de réathlétisation. On y retrouve un jeu de variation de pente et de vitesse que nous pouvons moduler à souhait. La projection au sol va aussi permettre de produire un travail ludique, mais aussi très pointu. Une fois de plus, le miroir, la correction en direct du kiné sont des vrais atouts. C'est très ludique, c'est très fatigant, mais par contre, on fait des progrès de dingue en très peu de temps. C'est des séances qui sont assez intenses, mais on travaille tous les appuis, des appuis courts, des appuis longs, avant, arrière, en haut, en bas, enfin dans tous les sens. Et ça fait, pour des problèmes de genoux que j'ai, c'est ultra complet. Ça fait et le travail de puissance, et le travail proprioceptif, et aussi l'impulsion, enfin ça travaille tout. C'est un complément dans le sens où on fait des choses qui sont beaucoup plus variées et le fait d'être en mouvement sur un tapis qui glisse un peu, qui est un peu plus instable, etc., c'est des exercices qu'on ne peut pas reproduire. C'est rassurant en fait parce que justement on dit que ça tient et que on peut y retourner quoi. Ça nous donne l'élan pour justement retourner en rando et on sait qu'on peut appuyer dessus, on sait qu'on peut un petit peu envoyé. Le fait d'être en groupe, du coup, ça fait du bien, ça motive. Le fait d'avoir Anne-Laure à côté qui vérifie qu'on se place bien, le fait d'avoir le miroir en face, ça nous permet de se replacer bien face à la pente, avoir l'alignement du genou, du bassin et des pieds. Ça m'a vraiment permis d'avoir un petit déclic, en fait, de moins avoir peur sur des choses, d'être plus conscient, en fait, que je peux faire aussi d'autres choses. Je veux dire, ça m'a totalement fait prendre confiance à mon genou, quoi, parce que j'avais perdu cette confiance entre guillemets. C'est ludique, on s'amuse, on rigole et on passe du bon temps et en même temps on est en sécurité, quoi, je veux dire, c'est sécurisé, quoi, entre guillemets, quoi, c'est clair. On fait des séances au cabinet, au début on y allait doucement et puis on a augmenté au niveau des exercices et de l'intensité. Et puis là, parallèlement à ça, je commence à attaquer des séances ici, au ski indoor, de pouvoir m'exercer sur un tapis moteur nature avec le réglage de l'inclinaison. Ça me permet vraiment de travailler les appuis, de travailler la poussée au niveau du mollet. Tout ça sous l'œil de Anne-Laure, la kiné, quoi. Et puis on avance dans la rééducation et puis ça va de mieux en mieux. C'est un super produit, ça met vraiment en confiance. Qu'une envie, c'est d'y retourner, vivement la prochaine séance, quoi.